Bonjour, bonjour tout le monde. Je tiens à continuer le cours de Cisco sur les adressages IP. Au travers de ce cours-là, nous pouvons continuer le routage dynamique. C'est ainsi qu'on va directement évoluer sur les procédures. Alors, chers amis et frères, ici c'est Google Classroom que j'ai ouvert le document selon lequel je l'ai mis là-bas. Ce document-là vous appartient à vous. Alors, chacun d'entre vous, c'est préférable qu'il passe directement télécharger le document ou bien faire de recherche en ligne. Les classes d'adresses. À l'origine, plusieurs groupes d'adresses ont été définis dans le but d'optimiser le cheminement ou le routage des paquets entre les différents réseaux. Ce groupe ont été. D'une manière aussi, manière étudiant ou bien ça. Du coup. Ce qu'on va y faire, on va discuter directement sur les différents routages, les classes d'adresses, ce qui est ici, les classes A. Si on parle de classe A, c'est-à-dire il y en a, ce sera préférable, oui, qu'on utilise mes documents et si chacun d'entre vous. Voilà. Bien, on parle là-bas de classe A. Si on parle de classe A, on doit savoir que le classe A, comment il fonctionne. Le classe A commence, on peut dire commence de 1 à 126. Ça, c'est le classe A, c'est-à-dire le premier octet. Et chacun d'entre vous doit savoir que si on parle de premier octet, c'est-à-dire qu'il y en a par exemple 10 points 0, 10.0. 0.0.0, ça on peut dire que directement la première partie qui est là c'est un octet, deuxième partie là c'est un octet, troisième et puis quatrième. Alors, le premier bit, celle qui est ici, ça c'est la partie réseau. Ce que vous voyez directement dans le document qui est ici là. C'est-à-dire le parti qui est là, partie réseau. Le reste des octets qui est là. Là, le premier octet, la partie réseau. Le deuxième octet, c'est une partie IP. Troisième partie IP et quatrième, ainsi de suite. Alors, si vous regardez très bien, c'est bien séparé ici. Alors, ce classe correspond à des groupements en réseau de même taille. Alors, si vous regardez très bien ici, si on part à la classe B, on a le premier octet et le deuxième octet. Partie réseau. Si on va à la quatrième classe, à la troisième classe, c'est le classe C. On a le premier octet, le deuxième octet, le troisième octet, c'est la partie réseau. On a la classe D. Bon, en gros, qu'est-ce que va se passer? Le classe A, le premier octet a une valeur comprise entre 1 et 226.
Si on vous dit que le premier octet a une valeur comprise entre 1 et 226, soit un bit de poids fort a égal à 0. Ce premier octet désigne le numéro de réseau et les autres correspondant à l'aide de la hotte. Là, qu'est-ce qu'on va faire ici là? Si vous regardez très bien ici, si on a dit de 1 à 126, c'est-à-dire que le premier octet qui est là, il ne doit pas dépasser ça. Sauf que les autres qui sont ici, il peut aller jusqu'à 255. Je vais donner un exemple clair. Si on tape 10.255.255, par exemple, point 24. Ça nous montre directement que après la partie réseau, le deuxième bit est totalement rempli. Le troisième bit est totalement rempli. Alors, ce qui nous reste, c'est quoi? C'est la quatrième but. Du coup, si par exemple ce réseau-là, on peut y en avoir, mais ici, on ne peut pas dépasser 126 pour le bit de poids fort. On ne peut pas dépenser cela, mais derrière, on peut dépenser. Ça, je crois que vous l'avez bien compris. Et nous continuons directement ici. L'adresse réseau 127 est réservée pour les communications en boucle locale. Comme vous le savez tous, si parmi vous fait de la programmation ou bien travaille sur les bases de données, chaque personne qui fait du réseau, bon, chaque personne qui travaille sur le site web, etc., il doit savoir que le site doit stocker les informations quelque part. Et là où on les stocke souvent, c'est par WAM Server, XAMPP, LAMP. Il y en a SQL, il y en a beaucoup de bases de données à travers le monde, quoi. Il y en a beaucoup de bases de données qu'on a créées, qu'on peut directement stocker de données. Mais si vous regardez très bien, vous pouvez constater qu'en local, vous pouvez trouver cette adresse-là, c'est-à-dire c'est une adresse dédiée au laboratoire, c'est-à-dire aux expériences. Et MySQL, vous pouvez le voir directement qu'il prend ça. Si vous voulez afficher le site, vous tapez par exemple 127 comme vous le voyez là, etc. Ou bien vous tapez directement localhost, il peut directement y venir. Ce qui fait que c'est l'adresse dédiée entre la classe A et la classe B. Il y en a une autre adresse, c'est le 127 qui n'est pas inclus à la classe B, mais qui n'est pas non plus inclus à la classe A. Alors, si on va de classe B, on peut trouver directement que le premier octet a une valeur comprise entre 128 et 191, soit deux bits de poids fort égal à 10. Là, on parle directement la classe B. Deux bits de poids fort, si vous regardez très bien ici, hein, regardez la classe B. Deux bits de poids fort, ça, c'est celui-là. Et celle qui lui suit derrière. Ça, c'est la partie, le poids fort, que vous voyez ici, premièrement. Soit un bit de poids, soit 0
égal à ce bit de poids forte, etc., résigné et autre patati patata. Alors, si vous allez à la classe C, on va commencer directement de 192 à 223, soit 3 bits de poids fort égal à 110. Les trois premiers octets désignaient le numéro réseau et le dernier correspondant à l'adresse hôte. Le document, ça se trouve là-bas. Chacun d'entre vous doit directement venir ici, prendre le document et lire et le relire. Et tout ça, ça peut vous aider directement à bien comprendre, parce que moi, je le touche un petit peu, parce que vous devrez directement savoir beaucoup de choses là-dedans. Mais le résumé est là. Tout le monde peut directement faire ses épreuves. Mais nous, on va s'intéresser à quelque chose de très important, c'est les adressages de IP sous les adressages de IP et sous réseautage. Là, si on parle de cela, si on revient aussi au document qui est ici, on peut trouver cela. Ça se trouve ici là, si vous le voyez très bien. Là, il est déjà sous-réseauté en classe C alors qu'il est en classe B. Bien. Si vous voyez les schémas là, tout le cours est totalement complet ici. Vous pouvez directement le voir et revoir tout ça. Et vous pouvez directement y comprendre très bien. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner ici pour travailler sur les exercices de sous-réseautage. Ça se trouve ici. On va y discuter très bien là. On va prendre une adresse de classe. Je vais vous expliquer à nouveau. On va prendre une adresse de classe C. Une adresse de classe C qu'on sait très bien que les trois premières octets sont les classes réseau. Alors les autres, le reste, c'est la partie IP. Quand on a un réseau, on a des ordinateurs, on a un réseau par exemple du Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Mali et autres. On a une entreprise qui a différentes locations de différents pays qui voulait y en avoir une bonne gouvernance de leur propre réseau. Pour le faire, on doit savoir que les classes d'adresse n'a pas sa place là-dedans. On doit aller là où on ne travaille pas par les classes. On travaille les adresses sans classe. Comment avoir les adresses sans classe? Si on a 192.168.1, quel genre de point là? .168.1. .0, cette adresse que vous voyez ici, cette adresse que vous voyez là, c'est une adresse réseau de classe C. Du coup, on a 50 machines quelque part, on a 40 machines quelque part, on a 32 machines et notre part. Toutes ces machines-là, on ne doit pas prendre une première adresse, on ne doit pas acheter une première adresse, le distribuer, une deuxième adresse, le distribuer, une troisième adresse, le distribuer. La seule manière de vouloir faire, c'est de sous-réseauter. Pour sous-réseauter, on va décomposer un octet. Un octet.
Un octet représente quoi? On l'a bien précisé quelque part là. Si vous regardez bien dans le document ici, je vous fais toujours. Est-ce que. Voilà, cidre et Le routage interdomaine sans classe. Le routage interdomaine sans classe a été discuté par, vous voyez tout ici en 1992, etc. Pouvez-vous bien sûr venir lire, relire et être sûr de ce que nous sommes en train de faire. Alors, je vous en prie, il faut venir ici là et lire très bien et très bien pour que vous puissiez directement comprendre. Alors bon, on revient d'abord ici, vous voyez très bien le sous-réseautage. Un octet égal à quoi? Un octet est égal à 8 buts. 8 buts. Si un octet correspond à 8 buts, ce qui fait que celui-ci correspond à 8 buts, cela correspond à 8 bits, ceci correspond à 8 bits et ceci-là correspond à 8 bits. Si on a besoin par exemple de quoi? Si on a besoin de décomposer le 8 bits, c'est-à-dire le 0 octet, 0 octet. 0 octet va correspondre à 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7, 0, 8. Alors, tous ces zéros-là que vous voyez ici, ça c'est un octet. Hein. Alors, ici-là, vous pouvez constater que tous ces zéros-là, comment on fait pour prêter des zéros ici? Comment on peut y faire pour prêter des zéros ici? Et cela, ça s'explique bel et bien dans ce document que vous voyez ici. Si vous voyez les zéros que je l'ai mis ici à l'intérieur de là, premier zéro, deuxième zéro, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, voilà. Et le premier zéro n'est rien d'autre qui est égal à 2 à la puissance 0. Le deuxième, c'est 2 à la puissance 1. Troisième, 2 à la puissance 2. Quatrième, 2 à la puissance 3. 2 à la puissance 4. 2 à la puissance 5. 2 à la puissance 6. 2 à la puissance 7. Là, le tout. On peut constater que les valeurs, ça c'est le résultat, c'est-à-dire 2 à la puissance 0 est égal à 1, 2 à la puissance 1 n'est rien d'autre que est égal à 2, 2 à la puissance 4 c'est 2 à la puissance 2 c'est 4, 2 à la puissance 3 c'est 8, 2 à la puissance 4 c'est 16, 2 à la puissance 5 c'est 32, 2 à la puissance 6 c'est 64, 2 à la puissance 7 est égal à 128. Alors, c'est à travers ces réponses-là que nous puissions directement prêter des buts. Mais comment y faire? Soit on va prêter, par exemple, deux octets. De ce fait, pour prêter deux octets, on doit savoir quoi? On doit mettre tous les octets comme vous le voyez, etc. Et on va compter puisqu'on est à slash 24. Nous, on est à slash 24. Ça, c'est une adresse de slash 24 parce que c'est classé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va compter ici, là. On va prendre une première octet pour faire 25. Une deuxième octet pour faire 26. Mais au moment qu'on a... On a prêté ça, on va prendre cette valeur-là et l'autre valeur qu'on va le mettre ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par faire les calculs. 192.168.1.000, ça c'est le 2 octet pour faire
quoi pour ajouter le 25 et le 26. C'est-à-dire on a emprunté. Alors, pour faire le simple calcul, c'est que ici, là, où il y en a 0, 0, vous descendez en bas, vous mettez le 0 au but de poids forte, celle qui est ici, et au but de poids faible, le dernier, vous mettez 1. Et le second volet, vous mettez le 0 à la place du but de poids faible, c'est-à-dire le 64, un 1, le but de poids 128. Et enfin, vous remplissez le 2 à la fois. Du coup, pour faire les calculs, premièrement, le premier réseau, c'est celle qui est là. C'est-à-dire, c'est ça. C'est 128 fois 0 plus 64 fois 0 qui est égal à 0. C'est le 0 qui est là. Mais là, c'est slash 26. C'est-à-dire, la réponse qu'on va trouver ici, c'est slash 26. C'est ça. C'est-à-dire, on a emprunté ça et ça. On a vient à slash 26. Et si on continue pour en bas là, si vous regardez très bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le deuxième qui est ici, le deuxième qui est là. Comment calculer ici là? Pour le faire, on va venir ici à 128 fois 0, parce que là c'est 0. Sa valeur ici là c'est 0. Plus 64 fois 1, on trouve 64. Ça, c'est le deuxième réseau qu'on a. C'est celle qui est ici, là. On trouve 64. On continue sur la troisième. C'est 128 fois 1 plus 64 fois 0 qui est égal à 128. C'est le troisième réseau que nous, on a, c'est ça. Et enfin, 128 fois 1 plus 64 fois 1 qui est égal à ce valeur qui est là. Alors, la question qui se pose, comment calculer le masque? Pour calculer le masque, vous savez que vous avez emprunté seulement deux buts. Comme vous avez emprunté deux buts et vous savez là où vous étiez, là où nous sommes sortis, c'est à classe C, c'est-à-dire slash 24. On fait slash 24 plus le 2 buts qu'on a emprunté qui va venir directement à slash 26. Mais comment savoir la valeur exacte de slash 26? Cela dépend de la décomposition que nous on a fait. On va regarder tout simplement la dernière décomposition qu'on a ici. C'est la dernière valeur qu'on doit directement ajouter par calcul, ce qui fait que c'est celui-là. Voilà, du coup, on va calculer tout ça. Et puis, le slash 25, le slash 26, on sait que c'est 255.255.255.0. Et on va faire, on va ajouter le slash 26 de quoi? La valeur qui est ici, à la fin. Celle qu'on a empruntée, c'est ça, on va l'ajouter là. On va trouver que le slash 26 c'est 255.255.255.292. Alors, au moment que on a terminé celui-là, on peut aller faire un autre exercice pour bien comprendre le document. Si vous venez ici là, ici, on a emprunté 3 bits. Si on a emprunté 3 bits, c'est-à-dire là, nous sommes à slash 27. Si on a emprunté 3 bits, là, on a emprunté, c'est 3 plus 27, 3 plus 25, on est à slash 27. Du coup, si vous regardez très bien, nous commençons par le dernier qui est là. Ici, là, c'est 00. Tout ça, c'est 00 jusqu'à là. Ce qui est bon. Et ici, là, on va descendre directement à mettre 1 sur le but de poids faible. Et on va descendre à 0 pour venir directement à la seconde but.
et 0 ici. On va mettre 1-1 pour les deux premiers buts de poids faible et 0 ici. On va continuer puisque les deux premiers buts de poids faible ici est rempli. On va remplir directement le dernier but de poids fort qui est là et qui est directement 128. Et après, on retourne à remplir directement le premier but de poids faible qui est le combien, le 32. Et après, 0 sur le 64. Et enfin, 128. Mais qu'est-ce que vous constatez exactement? Parce que vous devrez constater quelque chose. Ce qu'on a fait ici avec ce qu'on a fait en bas, vous constatez que on varie en fonction de 64. C'est-à-dire on a aux environs de 64. Le 64 là, on a quoi? On a combien d'adresses? On a combien déjà? 62 adresses utilisable, mais 63 adresses possibles, c'est-à-dire on a le 62, le 63 c'est l'adresse de broadcast, le 64 c'est le prochain réseau, c'est celle que vous le voyez là. Et chaque fois qu'on ajoute quelque chose, il doit être plus 64, plus 64, plus 64, mais on ne peut pas retourner derrière. Si vous voyez, on a sorti de 0 à 64, 64 à 128, 128 n'est rien d'autre que 64, plus 64, c'est 128. Alors, si on a descendu, on fait encore plus 64, c'est 64, plus 128. Et ce qui va venir directement à 192. Et si vous venez directement à la prochaine exercice là, si vous voyez ici, on a emprunté combien? On a emprunté 3 buts. Le 3 buts, le dernier but c'est quoi? C'est 32. C'est but de poids 32. Alors le but de poids 32, ça c'est notre première valeur. On sort de 0 jusqu'à 32, jusqu'à 30. Et le 31, c'est l'adresse de broadcast. Le 32, c'est le prochain réseau. Alors, si vous regardez, on descend directement à 32, c'est-à-dire de 32 à 64. Là, de 0 à 32, de 32 à 64. Là, on voit directement qu'on a une variation de 32. Et chaque fois, on ajoute 32 ici. Si vous constatez très bien, on ajoute 32. Premier 32 est rempli, deuxième 32 est rempli, etc. Ainsi de suite. Ça, c'est le remarque à faire là-dedans. Du coup, si vous regardez très bien ici, là, on va faire le même calcul qu'on a fait là-bas. Vous regardez très bien, le premier, il est là, le 32. 0, 0, 0, 0, c'est 0, ça c'est celui qui est ici. Le second, on peut directement le faire ici. Le second, c'est quoi? C'est 32, bien sûr. Là, on a 128. 128 fois 0 plus 64 fois 0 plus 32 fois 1. Et là, le tout, on a 32. C'est le 32 qui est ici, là. Et si on descend en bas, on a quoi? 128 fois 0 plus 64 fois 1 plus 32 fois 0. Si vous regardez là-haut, si vous regardez là-haut, on est là, on est ici. Et là, la réponse qu'on va directement avoir, c'est quoi? C'est 64. Ainsi de suite. Ce qui est totalement ce qui est totalement normal à savoir, c'est que le dernier valeur qui est là, c'est très important à le calculer. Tu peux ne pas calculer tous les réseaux qui sont là parce qu'il y en a beaucoup de réseaux. Il y en a un premier réseau, deuxième réseau, troisième réseau, quatrième réseau, cinquième, sixième, septième et huitième réseau. Tous ces réseaux-là, tu n'as pas besoin, tu en as besoin que ça à la fin. Bon, tu peux utiliser ça pour ton première adresse, par exemple,
l'orange qui ça se trouve par exemple au Mali, tu peux utiliser celui-ci au Sénégal, tu peux utiliser l'autre qui est là au Cameroun, tu peux utiliser l'autre qui est là dans un autre pays, mais vous êtes directement dans une seule adresse que vous avez sous-réseauté pour utiliser des différents pays. Mais ce qui est très important, c'est le dernier qui est là, parce que c'est celui-là qui va te donner directement l'adresse. On va te donner directement l'adresse MAC. Sans pour autant que vous ne l'avez pas calculé, là, vous ne pouvez pas directement savoir exactement votre adresse MAC. Du coup, on va le calculer. Est-ce qu'il n'est pas déjà calculé ici? Voilà. Il est là, mais on va le faire d'une manière professionnelle. Qu'est-ce qu'on va trouver? On a trois buts là-bas, non? On a trois buts. On a le but de 128. 128 plus. Plus quoi? Plus 64. C'est-à-dire 128 fois 1 plus 64 fois 1 plus 32 fois 1. Cela va nous faire un petit calcul comme celui-ci. Donc, on peut même utiliser une calculatrice si ça vous amuse parce que je ne sais pas votre niveau. Alors, on va le faire d'une manière gentiment, l'addition. Il faut savoir que 1 fois quelque chose égale à sa chose. Alors, on a 128. Là, il n'y a pas de doute là-dedans. 128 plus ou bien fois 1 plus 64 fois 1 plus 32 fois 1 égale, là vous voyez, le 224. C'est le 224. Vous voyez ici, là, il y en a 224. C'est le dernier, mais en même temps, c'est le 224 qu'on a écrit ici, là. Alors, mes amis, 224, tout le monde sera content. Alors, de ce fait, je crois que tout le monde est compris. Et ceux qui n'ont pas du tout compris, ils pouvaient aussi poser les questions. Nous sommes là pour ça. Et en plus de cela, je tiens à souligner que on va faire directement la suite du cours de Cisco à travers les différentes adresses. On va se réseauter, on va faire tout ça aussi. Et là, chacun d'entre vous doit directement se concentrer à faire des exercices que ça se trouve ici à Google Classroom. Ça se trouve là. Il y en a des exercices à faire ici, là. Si vous venez à Google Classroom, vous venez ici, vous pouvez trouver ça, c'est le cours. Ça, c'est les exercices, les explications qu'on vient directement de faire. Ça, c'est le RIP 21. Ça, ce sont des topologies que j'avais mis en ligne pour que vous puissiez directement vous exercer. Il y en a beaucoup. Il y en a le routage statique, il y en a tous les cours, ça se trouve ici. Alors, je tiens à ce que chacun d'entre vous puisse directement se concentrer et faire quelques. Aller chercher directement le document et faire quelques exercices que nous puissions directement à continuer notre science. Et le prochain tuto, ça sera le RIP V2. J'ai déjà fait le RIP V1 aux différentes langues, la langue comorienne, bien sûr, avec celle du français. Alors là, nous continuerons directement au RIP V2 pour que nous puissions aller jusqu'à la partie sécurité. Là, on n'a rien touché du sécurité, on n'a rien mis de mot de passe et tout ça va venir, Inch'Allah, si Dieu le veut bien. Alors, je tiens à vous remercier tout d'abord les personnes selon lesquelles vous êtes abonnés à ma chaîne. Et je tiens aussi à remercier ceux
avec qui contribue tout la possibilité que nous puissions en avoir une plateforme complète, que nous puissions faire toutes les différentes disciplines, à savoir les gens selon lesquels me solliciter à cela. Je vous remercie du fond du cœur. Alors, à très bientôt, mes chers étudiants. On se reverra pour faire le RIP V2 au prochain tuto.